Mac Alexandria. Ah bah attends, on pourrait... Non mais Jimbo, t'as fini de nettoyer tout ça, la combe à chaque fois. Le mec il utilise l'arme nucléaire. Parlons normalement. Alors, je oh, joli stack wipe. Oh bah, ils étaient 2000. Je vais attendre à Mantrega, comme ça il doit traverser le truc. Il y a un stack, je sais pas s'il est pas à moi ce stack. Ça, c'est... Ok, mais c'est toi qui déplace mes... Ah non, c'est moi. Non, je suis con, j'ai rien dit. Moi, ça, ça... Alors, on va lui renvoyer 2000 hommes de plus, comme ça on sera tranquille. Donc là, on devrait se prendre le stack ennemi, non? Je regarde un truc, la Roxolani, je vais regarder vite fait. On va se prendre un gros stack. Ouais, ils ont plus que 2000 hommes de manpower. 109 000 hommes. Ils ont 90. Ils prennent 5% d'attrition. En même temps, rien que l'attrition qu'ils se prennent en se déplaçant avec toute leur armée. Ils ont 90. Rien que ça, ça leur fait mal. En tout, ouais. Hommes plus réserve, ils ont 98 000 soldats. Oh là là, je vais me barrer moi. Si je vais me faire défoncer, je change. Ça fait du monde quand même, hein. Ah bah je vais me faire casser en couper en deux je pense là-bas. Bah c'est pas grave. En train de me faire attaquer à Kurban, je sais pas si c'était un bon plan de rester là. Les mecs j'ai 17 000 hommes, ils en ont 50 000. Oh, merde j'ai oublié. On va perdre mais hop que... Merde. On va réussir à gagner un combat. On se prend plus cher ici quand même hein. Tiens regarde en haut à gauche. L'Egypte devrait arriver à temps. Regarde la bataille sur l'angle de combat. Oh. Oh, magnifique. Et pourtant, il a le bonus de choc, hein. Ouais, et là, magnifique. Moi, c'est... Aïe, aïe, j'ai mal. J'ai mal. Bon, tu m'as filé 28 000 hommes, je t'en rends 15 000. Tiens, les phases de choc, on prend cher. Donc, voyons combien il a de Roxolani. 81 000 hommes, il a perdu 16 000 hommes. 1400 de manpower. Faut qu'on essaye, lui, par contre, max, le... Comment ça s'appelle? Battle de Kuban, 14 000. Ah ouais, merde, t'as pris cher là-bas. Si tu veux, je pourrais demander à mon armée. Ouais, je vais me remettre dans les montagnes, moi j'étais bien. Ouais, si tu veux, je pourrais demander à mon armée occidentale de te donner des cours de combat, quoi. Parce que moi, les miens, c'est du survivor, quoi. Non, j'en ai pas besoin. Oh, attends, t'as vu combien tu perds d'hommes à chaque bataille? Oui, enfin, moi, je me prends 100 000 hommes dans la tronche, là. Oh, les moi, je me suis tapé juste avant les 100 000 et, hommes. Et en plus, dans les plaines, hein. Et je te signale qu'on a les mêmes hommes, hein. Oh, les miens, ils sont... Les miens, ils ont pas de baskets. Toi, ils ont des baskets. Oui. Les miens, ils ont des baskets. Bon, mais en tout cas, ce qui compte, c'est que... Donc, ils tu rentres pas. Voilà. T'as des baskets, tu rentres pas. Tu rentres pas, voilà. Mais le truc, c'est que tu les... Comment dire? On les... Merde. Putain, mais on se fait attaquer par le sud, là. Bon, globalement, on est en train quand même de les pourrir. Oh putain, j'arrive avec mes 18 000 hommes, l'autre il arrive avec 40 000 quoi. Aïe. M'en fous, je les défonce. Oh là là, 1 contre 2, je les défonce. Mais attends, reste là toi. Ah. Il va où lui? D'accord. Voilà, tu vois, ça c'est un choqué. Combat. 8 000 hommes dans la plaine. Pas comment tu fais, hein. Tu dois faire des putains de jets de dés. Hein. Non, bah toi tu fais des stack wipes. Il y a un joli stack wipe, bah c'est moi qui l'ai fait. Voilà. Bah ouais, mon gars. Ouais, toi en fait, tu te la joues genre allez-y, je vous laisse vous avancer et après tu fais stack wipe. Non, tu fais genre je vous ai fait, vous croyez que j'étais une daube, mais en fait, non, je fais du stack wipe moi. Par contre là. J'ai pas eu le temps de mettre un leader. Oh putain, il a un 3-4 en face. Bon, unité religieuse, c'est la seule truc qui nous reste. Hein. Donc on va augmenter notre stabilité. Bon, ah oui, donc on a rempli la mission, avoir plus d'unités que lui. Non, ça faisait longtemps qu'on l'avait terminé. Là, c'était améliorer les relations avec Rome. Ouais, d'accord. Là, on en est... Roxolani, il a plus que 62 000 hommes. Non, c'était améliorer les relations avec Boudini, pour être précis. Je vais me barrer parce que je sens qu'il va me débarquer. Ouais, voilà, il va me débarquer avec 60 000 hommes. Je vais peut-être perdre mon stack. Bon, pas grave, j'en refais un nouveau. Ah, ben d'ailleurs, je suis con au lieu de m'emmerder à. Bon, on va considérer que mon armée est morte là-bas. Hop.
Non, je peux accéder à sa capitale, oui. Je peux aller sur sa capitale, oui. Un template, on met quoi dans notre template? Le commandement, elle se dit, elle sauve. Ouais, je vois pas la différence. Putain, mais c'est quoi, c'est... Je me permets de traquer un peu 2, 1. Je me permets de te prendre 16 000 hommes. On a un de tactique militaire maintenant. Oh, je vais me faire stack WP, moi. Ah oh, bah voilà, je me suis fait stack WP. On s'est arrivé à 60. Ah, on s'est fait stack WP, voilà. Ouais, bah ouais. Est-ce que tu veux que mon armée de l'Est vienne donner des cours à ton armée de l'Ouest? Non, mais j'étais fatigué, là. De toute façon, j'étais en train de me refabriquer une armée, c'est pour ça. Ouais. Ça doit être ça. Je reprends ton général parce que. Bon, en fait, avec les thunes et la manpower qu'on a, je suis en train de me refaire. Il y a par contre dans ces mouvements, des fois, je me pose de grandes questions, quoi. Ah oui, non, mais t'inquiète, hein. Ça, pareil, sur la partie, là, cet après-midi, je me suis jeté par la fenêtre. Hein. Il est là, tu sais pas pourquoi, et le mec, il me fait quoi? J'étais en train de siéger l'Istrie avec 6000 hommes. Et l'autre, l'Autrichien attaque, j'ai buté 1000 hommes. Il attaque, j'ai buté 1000 hommes. Mais en fait, le mec, il était dans un bateau, il débarquait en Istrie avec 1000 hommes pour dessiéger mes. Pour dessiéger mon truc. Par contre là-bas, je vais... Ah, ça c'est pénible. Ouais, des fois tu dis, je comprends pas. Il a encore du monde là-haut, hein. Ouais, notre manpower a chuté, c'est normal, j'ai construit deux unités, quoi. Deux unités de 16 000 hommes. Yeah. Voilà, on va aller leur mettre sur la gueule. Il y a quand même du peuple, hein. On va les mettre des buffs. Live jusqu'à quelle heure? Je sais pas, vers minuit à peu près. Ouais, jusqu'à ce qu'on en ait marre, quoi. Jusqu'à temps que ça plante. ou jusqu'à ce que ça plante, c'est ce que j'allais dire. Bah, l'autre jour, c'est ce qu'on a fait. On devait jouer l'autre jour, on devait jouer ouais, une petite heure ou ouais. Deux heures maximum parce que Jay était pas bien, moi crevé aussi. Au final, la partie, elle a duré longtemps. C'est quoi ça comme territoire? Montagne, grasse. Oh, pas tant que ça au final. Bim, ça c'est fait. Je te repique mon général. Ça c'est fait. Putain, en plus il est pourri mon général, je viens de voir. Bienvenue à Sharkix. Non mais les généraux qu'on a sont absolument horribles. Par contre d'ailleurs on a peut-être dû gagner en tradition là. Bon, je pense. Ouais, je propose qu'on... Non, je vais annuler. Je peux points. Pas si j'ai ça... Ouais, t'inquiète, je sais, on a des points en rab, mais je vais virer ce général-là. Mais voilà, parce que là, on est à 44 quand même, ça doit être un peu mieux. Alors, un 3-3-4, voilà, c'est mieux. Et l'autre, le 4-1-2, je le vire. Vas-y, t'as qu'à le prendre, le 3-3-4, si tu veux. Ah, parfait. Ouais, l'autre là, va falloir que je t'explique qui c'est le patron. 3-2-1-1. Je prends le 3-2-1. Honnêtement, ici, je rassemble tout. Ah oui, The Good Loser, c'est vrai. C'est quoi, ça fait plaisir que tu sois là. On le voit où quand on a de l'argent, dont Twitch? Comment ça? Le prochain épisode de The Witcher 3, c'est dans une dizaine de jours. C'est la deuxième semaine de novembre. Mais demain, je publie l'agenda de la chaîne qui va expliquer pas mal de changements sur justement la publication de certaines séries. Mais sinon, si tu cherches ce genre d'infos, Florent, tu as juste à aller sur l'agenda de la chaîne. Normalement, ça bouge pas trop. Et on vient de faire une conversion. Alors, j'ai des gros stacks qui commencent à arriver vers chez moi, là. Avec les Romains qui se disent « Et si c'était pas une bonne idée d'attaquer ?» Moi, je me barre. Merci les Romains. On est en train de se faire massacrer un peu. Ouais, si tu veux, j'ai un stack, là. Toi, t'en as besoin d'un? Non, c'est bon, garde-les de ton côté. Moi, je l'ai, dans le pire des cas, je l'ai build. Okay. Directement. D'accord.
Les deux généraux sont occupés. Attends que je regarde un truc vite fait, ses ressources, il en est où Roxolani? Ah, il a plus que 50 000 hommes, plus 2 000 de réserve. Aubin, excusez-moi. Pardon. C'est sorti tout seul. Ouais, je me suis envolé même. Là, c'est bien, il est sur une de nos provinces, il est en train de se prendre de l'attrition. L'autre, son armée prend, est en train de nous prendre un fort, donc tranquillement, moi je reste là, je me ressource. Je mobilise 48 000 hommes, plus 51 000 hommes de mon côté. Faire, c'est que je... Ok, fais top. 51 000? Mais on n'a pas la limite de force. Non, non, l'ennemi en face, il a ça, en face de moi. Ah, d'accord. Oui, quand même. Tout le monde est à l'eau en face, hein, quand même. Skiri, on pourrait le faire sortir, je pense. Ah non, il veut pas. Oh, bientôt. On pourra bientôt le faire sortir. Mascat est encore, par contre, super motivé. C'est-à-dire qu'il a un stack de 17 en bas qui fait chier le monde. Ne t'inquiète pas, Rome, je viens à ton aide, je viens à ton secours. Je vole. Allez, je vais taper dessus. On a zéro leader là, il m'en faut un. Je vais prendre 3-3. Ah ben dommage, j'étais en pleine bataille. On a encore 89 points. T'es con, tu m'as piqué mon leader. Ah merde, je peux faire ça quand t'es en pleine bataille? Ouais, ça qui est bizarre, c'est possible? Ouais, je crois que tu peux pas cliquer pour l'affecter, mais tu peux pas normal ça. Surtout que là, c'est une bataille que je gagnais et que là... Désolé, je t'ai persuadé que tu t'en servais pas. Ah bah là, putain. Tu peux pas envoyer un renfort. Et ouais, non, du coup... Putain, je suis vraiment désolé, j'étais persuadé qu'on pouvait pas faire ça. Bah, il était dispo du coup. Bah attends, je prends l'autre. Il est dispo, hein. C'est peut-être parce qu'on est en tag team que ça fait ça, je sais pas. Toi, par contre, mon petit gars, je pense que j'ai bien envie d'essayer de voir si je peux te stack wiper. Il a décidé de venir chez nous, là, il a toute son armée à ma gauche. Boum, stack. Voilà, élimine ses troupes si tu peux, mets-lui la pression parce que moi de mon côté ça commence à piquer. Faut qu'on aille prendre. Ouais. Essaye de faire sortir, prendre Crimée si tu peux, comme ça on sort sa flotte. C'est ce que je suis en train de faire. Super, nickel. Je suis en train d'avancer sur la Crimée. Voilà, j'ai repris son vassal, j'ai repris la province qui avait réussi à dessiéger. Là, j'ai mis mes troupes en montagne. J'espère qu'il va venir me mettre sur la gueule. On a le truc qui nous dit de faire la paix. Hein. Ah, sérieux ? Alors, je voudrais juste au moins prendre Rafa. Ah ouais, faut qu'on... Kaffa, pardon. Bah, après, c'est la province qui nous intéresse le plus. Honnêtement, on joue pas avec Veritas. Hein. Tu sais, la boire exhaustion, regarde, hop. On paye des points diplomatiques, donc c'est pas quoi foutre, presque. Et oui, c'est vrai qu'on peut... Voilà. Ouais, tout à fait. Voilà, il est venu m'attaquer en montagne, c'est parfait, mais pique pas en général. Hein ? Non, je te le clique pas. Voilà, parce que là ils sont 37 000, j'en ai 18 000. J'avance en Crimée. Ouais, je vais le défoncer si tout se passe bien d'après le calcul scientifique là. Il est en montagne, franchissement de rivière. Je fais un 9 plus 1, voilà, c'est bon. Ouais, j'ai perdu. Alors là, tu vas voir le résultat de la bataille, il va être beau, je pense. Non, bon, il m'a renvoyé des troupes. Donc, je suis à 54 contre 15. Putain, le moins de 3. Il nous propose la paix. D'ailleurs, on a plein de diplomates de libre. Ben, honnêtement, je te dirais moi. Elle mange pas mal quand même d'exhaustion de guerre. Ouais, mais ça c'est. C'est vrai qu'elle tient pour l'instant la fatigue de guerre. Ouais, là, on est. Non, moi je pense qu'on peut faire la paix là. Tu veux faire la paix? Avant de. Bah, ben, si ce serait bien, ce serait de le. Je vois pas trop pourquoi aller plus loin. Pourquoi on est tombé à 58%? On n'était pas plus haut. Il nous a pris des provinces. Alors je vais essayer de sortir quelques gens déjà. Bah attends, parce que si on est à 58, on aura plus de call for peace. Juste demande, pas de demande. Okay. On aura plus de call for peace hein, maintenant, vu qu'on est sous les 60, sous les 66%. Bah ouais, il est toujours là le call for peace, il augmente, il a plus 0,06 quand même par mois maintenant. Ah mais ouais, t'as fait la paix, donc on est repassé dessus 60% je crois. Je sais plus trop comment ça s'appelle, ça fonctionne. Ouais, mais il était là avant que je clique sur faire la paix. Non, mais ouais, mais ce que je veux dire, c'est que.
Ouais, mais il y a eu ah oui, il nous a pris un fort, effectivement. Il est recalculé au début de chaque mois, le Call for Peace. Bon, on s'est fait défoncer là-bas, dans la montagne, mais il va se taper de l'attrition. Il a 51 000 hommes. Ah oui, on peut pas voir l'armée ennemie. Essaie... Ouais, si on peut, essayer de sortir les... Bah les bateaux, bah je viens de faire une brèche dans les murs. Ouais, ouais, enfin pas sortir les bateaux, je veux dire sortir les... Ah, attends, je vais me refaire une unité de combat. Venu le furet. Ah, du Dwarf Fortress, faudra que j'en fasse un de ces quatre sur ma chaîne. Ça pourrait être sympa. Parce que j'y ai joué à une époque. Et c'est un super jeu. Sur... Là-bas, nos territoires, t'inquiète, hein, c'est tranquille, je gère. C'est juste qu'on est en train de perdre quand même un gros paquet de manpower, quoi. Oui, non, non, ah non, c'est bon, on va prendre au moins la Crimée. Ce manpower qu'on perd, c'est moi qui ai fait, j'ai fait 48 000 hommes pour désarmer à gauche. Hein. Donc ça fait que tu rajoutes 48 000 hommes, on est à 120 000. On est tranquille hein, au niveau manpower. Mais ils sont où les 48 000 hommes? Tu viens de les faire là? Bah, je viens d'en faire 16 000. Plus 16 000 que j'avais, plus 16 000 qui sont morts dans mes différentes batailles. Pourquoi tu fais pas des mercenaires? Oh, pas con. Pas con. Sérieux? Bah oui. Ah ouais, je fais des mercenaires. La Navy vient de sortir, on a tout coulé. Voilà. Comme ça, on peut affecter la Navy au siège. Attends, bouge pas, ouais, j'ai fait du mercenaire, là je vais péter des rondelles. Et bienvenue à Navy! Ah, j'ai fait comme toi, Soleil, tu vois, au tout début, j'ai complètement délaissé Europioneer Size 4. Le jeu ne me plaisait même pas du tout au tout début. Et puis un jour, j'ai finalement réussi à m'y mettre. Et depuis, je ne peux plus m'en passer. C'est vrai que quand on s'y met. Allez, une nouvelle Navy qui nous attaque. La gueule de la Navy, quoi. Avec les 6 navires, quoi. Waouh. Là, bouge pas. Là, on va envoyer du mercenaire. On va le faire. Ok. Tout le monde est à l'eau. Alors, Mascal, je vais le sortir. Voilà. Petite peau blanche, on s'en fout. Oh, tu l'as sorti, tu m'as enlevé un stack de 94% de... Alors, je t'explique, tu m'as enlevé un tank, j'ai un stack à 44 contre 25, tu m'en as enlevé 15 000 d'un coup. Ouais, nickel, je prends. Fais-moi des paix comme ça, je suis content. Avec plaisir. Bon, on a 30K qui nous ont attaqué à l'est, Rome a un petit peu souffert, mais c'est pas grave. Alors, à gauche... Moi, je dis, on peut faire la paix maintenant. T'es sûr, maman? Non, ça perd de l'or et tout, hein. Bah, j'ai recruté du mercenaire. Bah ouais, mais t'as vu combien ça nous coûte d'ailleurs? T'inquiète, non mais regarde, on regagne. Regarde la balance. On regagne, on est en train de regagner tranquillement. Ouais, j'ai vu. Je sors les mercenaires, je vais dessiéger les provinces. Instabilité en moi encore, yeah! Normal, c'est du chef qui est mort. On prend que des événements négatifs. Voilà, là je les ai calmés hein, de mon côté. Au niveau armée, ils ont quoi, Roxani? Il a 49 000 hommes. Ah, tu m'as découvert sur The Witcher 3. Putain, c'est pas une série d'habitude qui me ramène beaucoup de monde, honnêtement. T'as vu, il y a 31 000 hommes à ta droite. Parce que dans les résultats de recherche YouTube, elle est extrêmement mal... Ouais, je sais, mais je le laisse... je vais pas trop le laisser progresser, d'ailleurs, mais je crois qu'il... Non, il vient pas vers moi. Parce que... Remarque qu'il veut la paix, hein. Je peux pas demander la paix, parce que là je vois pas trop pourquoi on continue de se battre en fait. Moi ce serait pour qu'il s'effondre, mais si tu veux faire la paix, traverser. Merde, de putain de pop-up. Oh mais quel jeu de con. C'est vrai que ça les pop-up, c'est chiant qu'ils apparaissent en plein écran quoi. Bah ouais, mais le problème c'est que la pop-up, du coup j'ai pas pu sélectionner mon armée et lui dire d'annuler le mouvement. Du coup je me retrouve à attaquer en traversant un des trois. Chose que je voulais absolument pas faire quoi. Bienvenue à Storm Aurore. Mais dis-moi que t'aimes la difficulté, je comprends. Hein. Abusé. Aucun quoi. Mal. Regarde le mec comme tu lui prends cher. Heureusement, tu veux pas l'attaquer dans une montagne? Bah oui, tiens, ouais, voilà. Bah ouais, pourquoi pas en traversant un détroit et dans un. Ouais, c'est une excellente idée. Récupère mes généraux si tu veux, hein. J'en ai plus besoin, je te le prête temporairement. Oh, ce viol. C'était quoi ce stack? Oh, le beau stack wipe! C'est toi qui l'as fait? Bah non. Oh, le double stack. Je te prends généralité. Tu sais que le mec était en train de retraverser le détroit et la troupe la flotte est passée à ce moment-là. Du coup, ça a annulé le mouvement. Il s'est retrouvé là où il y avait mon armée et tchou, c'est à quoi. Ouais, la flotte de commerce, c'est ce que j'étais en merde. Le fameux coup du bloqué avec le détroit. Ouais. Voilà, tu magnifique. C'était beau. Je sais que c'était même pas intentionnel, ni de ta part ni de la mienne, tu vois, mais c'était beau. J'étais parfaitement intentionnel, faut dire. Vas-y, on va aller taper là-bas.
Donc là, il y a des rebelles, je m'en occupe, t'inquiète. Ils ont pas. Alors, Florent, honnêtement, attends les soldes et ou même le prochain DLC. Ouh, gagner 10 de prestige, 20 de légitime. Ouais, pour 200 du cas, on va les prendre. Souvent, quand il y a des grosses soldes, Europeaner 16-4 est avec des grosses soldes. Et ça vaut le coup. Ben, faut pas l'acheter plein pot avec temps normal. Avec quasiment tous les add-ons, je crois, sauf le dernier. Il est venu à Shark 120. À 20€, je crois, tu peux le taper. Il est sur Steam parce qu'il y a les soldes de Halloween. Peut-être qu'il est en solde sur Halloween. Ouais, sur Steam, pardon. Non, moi je le prends sur d'autres sites, sur des sites de clés, je l'ai vu. Et c'est, je sais plus qui l'a pris. Bah, celui qui nous regarde d'Italie. Ça, c'est vrai que c'est un peu chiant, c'est les pop-up qui apparaissent sur l'écran. Si tu veux, j'ai 24 000 hommes, tu peux les prendre en fait.